Bon, va falloir décider de ce qu'on fait de tous ces inutiles. C'est le moment de dégraisser plus franchement. La Troisième Guerre mondiale est à notre portée. Tu veux vraiment qu'on les pousse à s'entretuer? Tu préfères les torturer? C'est ce qu'on fait depuis le début, et ces dernières années, on a poussé le bouchon. Mais faut pas oublier l'objectif. Y'a que ça qui compte. Oui, je sais. Sous les 500 millions. On n'a plus besoin d'eux. Alors quoi? On pousse chaque camp jusqu'à la haine, et quand le point de non-retour est atteint, on file dans nos abris anti-atomiques? C'est à peu près ça. Très bien. Et si tout ça ne marche pas? On continuera de les empoisonner. Et s'ils s'en rendent compte? Si les quelques réveillés retrouvaient des couilles et montaient un réseau? Ouais, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu te mets à douter. Tu crois qu'on est à un barbecue, un match de football? Ouais. Ouais, c'est ça, et tu penses qu'ils vont se laisser faire? Se laisser faire? Non, on gueulait. Ils vont manifester, signer des pétitions. Il y en a même qui vont croire qu'ils vont changer nos plans en se lançant en politique sans parvenir à comprendre qu'ils entrent dans notre jeu, avec nos règles. Et que le choix qu'ils ont, c'est d'être corrompus, de dégager ou de se faire descendre. Ils ne feront rien contre nous parce qu'on les monte les uns contre les autres avec une facilité déconcertante. Ouais, il m'arrive de me dire... Pourquoi est-ce que je fais tout ça? Pourquoi est-ce que diviser les peuples, les domestiquer, les manipuler me procure autant de plaisir? Je me demande parfois s'il ne serait pas plus profitable d'arrêter les frais, de me repentir, de vivre en paix. Ouais, là tu marques un point. Mais tu oublies ce qu'ils sont. Nos esclaves. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu les vois tomber dans nos pièges? Qu'ils n'en valent pas la peine. Bon, alors je propose de faire monter encore la sauce. On fait circuler des images de guerre. On transforme ça en guerre Occident contre le reste du monde. On déclenche un putain de carnage. Leur degré d'ignorance est tel qu'ils le croiront. Ouais, on est vraiment doués. Quand j'y pense, qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre, mon pote? Je sais rien faire d'autre. Pareil pour moi. Et je crois pas en avoir envie. Pareil pour moi. C'est drôle, en fait, je fais souvent le même rêve. Les gens sont là devant moi, ils manifestent et dénoncent une injustice, puis j'allume un écran géant et tous les yeux se rivent dessus. Et je balance des mensonges, puis je vois leur cœur se noircir. Je m'aperçois que c'est trop facile de leur faire haïr qui je veux. Je diabolise une population. Je la salis, genre, tous des terroristes. Ensuite, je fais subir à cette population des injustices bien pires encore que celles que le peuple dénonçait au début. Et je me rends compte que je me le suis mis dans la poche. Il n'a plus aucune empathie. Je leur montre alors des images d'enfants morts appartenant à la population diabolisée et je leur demande ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce qu'ils disent? Rien. Rien du tout? Non. Ils ne reprennent la parole que quand je remets la propagande sur l'écran. Et ça parle de tout raser. Le dressage est un succès. Pourtant, je les méprise, le voilà mon rêve. Je rêve que j'ai changé. Que j'ai des scrupules et que mon cœur finit par s'ouvrir. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, que j'ai peur de l'enfer.